Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des carapateurs partout. Des étincelles qui cherchent des pièces. Je dois me préparer.
soleil. Enfin, ça ne sert à rien d'essayer de comprendre les océans.
tous maintenant. Les gens ces rames sont allés trop loin cette fois. Derval mérite de mourir pour ses crimes. Les ennuis viennent toujours de ceux qu'on attend le moins. Il faut se méfier des marchands, c'est rare. Aloy, qu'est-ce qui t'amène à Méridian ? Une menace. L'Éclipse s'apprête à attaquer, par l'ouest. Avec une armée d'anciennes machines de guerre. Mais ce n'est même pas le pire. Ils ont un esprit avec eux. Dieu, démon, machine, peu importe ce que c'est. Il s'appelle Hadès. Et il n'a rien à faire de Méridian. Il veut la flèche. Et s'il l'atteint... Il enverra un appel, qui réveillera d'autres anciennes machines. Nos forces seront submergées. Et nous mourrons. On doit faire quelque chose. J'essaie de comprendre, mais... mon devoir est de protéger Méridian. Méridian n'est pas la cible, Avad. Tu dois défendre la flèche. Et l'avant-garde, votre splendeur ? Oui. Envoyez-les à la flèche. Eren connaît Aloy, il ne posera pas de questions. Et envoyer des gardes de la ville sur la crête occidentale. De là, ils pourront protéger Méridian. Et le bûcher, juste sous la flèche. Aloy, je te présente mes excuses pour notre dernière rencontre. Après tout ce qui s'était passé avec Ersa, j'étais troublé. Si nous devons combattre côte à côte et peut-être mourir... Je souhaite m'engager dans la bataille avec ton pardon. Alors tu l'as. Mais ne t'avise pas de me confondre à nouveau avec elle. Même un roi apprend de ses erreurs. Bon, bien, je suis content que ce soit derrière nous. Bon. Il faudra du temps pour préparer nos défenses. Allez, dis-moi ce que tu sais de nos ennemis. Je t'écoute. Malheureusement, je ne sais pas tout. Mais je te dirai ce que je peux. De transpirer un peu. Avec discrétion. Si les citoyens paniquent, ce sera encore pire. Et tenez-moi au courant de chaque nouvelle arrivée. Ah, Aloy. Les défenses se préparent, sur la crête et à la flèche. Nous avons alerté les quatre coins de l'Hélium. Nos alliés ont offert leur aide, certains pour Méridian, d'autres pour les éclats. Mais beaucoup sont là pour toi, Aloy. Pour moi ? Ne te sous-estime pas. La crête sera la première ligne. Parlez plus tôt. Les canons aux Céram qui ont fait trembler les murs de Méridian à la Libération, nous défendrons. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Et la flèche,
Eren de l'avant-garde y sont ? En effet. En train d'entrechoquer leurs armures et de peaufiner leurs cris de guerre, je suppose. Un certain nombre de Nora ont aussi rejoint la flèche. Ils ont refusé notre offre d'une audience royale. Tu pourrais peut-être les convaincre. D'accord. Je suppose qu'il n'y a plus qu'à attendre l'attaque. En effet, ça ne me plaît pas vraiment, mais nos guetteurs au signe du couchant ont signalé que tout était calme à l'ouest. Alors, si tu as des choses à faire ailleurs, c'est le moment d'en profiter. Et sinon, j'ai demandé à ce que le logement d'Olin Delverson te soit réservé. Tu peux y dormir, ou essayer. Voilà. Tu m'as rapporté quelque chose de joli. À la prochaine fois, noble Nora. J'aimerais discuter avec toi de beauté et d'élégance. Oh, soleil. Protège ta ville de l'armée qui la siège. Et toi, l'étrangère, est-ce que tu as des reliques pour moi ? Je vais te dire ce que j'ai. Le soleil, on nous attaque. Brave Nora, habillée comme une Karja. Ça me plaît. Comment a-t-il pu s'approcher aussi près du roi ? Les gardes Serram rejetteront sûrement la faute sur leurs ombres. Il
faut se méfier des marchands, c'est... Aloy, ils sont toujours prêts. Je t'avais dit que je viendrais. Je m'en souviens. Mais tes blessures ont eu le temps de guérir? Entre nous, si je combats, mes sutures risquent d'éclater. Mais t'en fais pas. Je laisserai ça aux autres Nora, à la flèche. En fait, je m'occupe du ravitaillement. Les Karja m'ont fait intendant temporaire. Va savoir ce que c'est. C'est impressionnant. Ce n'est pas désagréable. On va préparer des réserves d'armes et de médicaments sous ces bannières. Ne l'oublie pas pendant le combat. Aloy, quand tu es entré dans la montagne, la déesse, elle t'a parlé d'une victoire ? Elle n'a pas eu à le faire. Je sais qu'on peut gagner, Thèbes. Alors d'accord. Mon père est mort dans la fosse du soleil à cause de Jiran. Mais Abad y a érigé un mémorial. On a tous notre place dans l'ordre des choses. Le roi Soleil a eu de la chance que tu aies pu intervenir. Elle s'élève plus haut que la cime des arbres. Ces Karja avec leur armure à fanfreluche. Mais ils sont tellement nombreux. C'est totalement l'inverse de nous. Ce n'est pas l'ennemi. Pas cette fois. Silence. La voilà. Lilu. Chef Sona. Chef Sona, tu as l'air mal à l'aise. Les Nora ne sont pas chez eux. Je ne suis pas chez moi. J'affronterai le démon de métal qui nous menace, mais ma place est dans les terres sacrées. Cet endroit n'est pas bon, tout m'est insupportable. Je suis désolée de t'infliger ça. Ne t'inquiète pas. Nous triompherons, je le jure, par ma lance. Bonjour, Aloy. Non, ne vous inclinez pas, l'élu n'aime pas ça. Elle n'aime pas tellement non plus qu'on l'appelle l'élu. Je suis contente de te voir, Varl. J'avais promis. Alors, Méridian, t'en penses quoi ? J'ai vu des tas de choses étonnantes depuis que je te connais. Je t'en remercie. Varl, qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux vraiment savoir ? Très bien.
Je suis en terre inconnue, une terre souillée, pour défendre une ville de mécréants qui ne ressemble à nulle autre, qui dépasse tout ce que j'ai jamais pu imaginer. Et toi, après tout ce qui s'est passé, ce que tu as fait, je voudrais me mettre à genoux et te vénérer, mais je sais que ça te déplairait. Eh ben, c'est pas facile pour toi, hein? Merci d'avoir dit aux autres de ne pas s'incliner. J'ai vraiment pas besoin de ça. Ne sois pas trop dur. Ils ne viennent combattre que parce que l'élu l'a demandé. Et toi, c'est pareil? Non. Je serais venu rien que pour te revoir. Et parce qu'il faut affronter un démon de métal, la déesse l'a dit. Ou toi, tu l'as dit. Je crois que la déesse et moi sommes d'accord. Et nous te remercions. C'est normal. Alors, c'est qui les ennemis? Le nom de leur groupe, c'est l'Éclipse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand la lune passe devant le soleil, crétin. Et c'est censé faire peur aux gens, ce nom? Je sais pas, c'est les Karjas, et les Karjas sont toujours à radoter sur le soleil et l'ombre. Bah, si c'était des Karjas, il y a vraiment rien à craindre. Ouais, leurs guerriers sont sapés comme des piafs. On va s'amuser à les plumer. Un petit peu d'humilité, les gars. À l'œil. Nous y revoilà, parés pour la bataille. Sauf que cette fois, l'ennemi ramène de sacrés atouts. Faut s'attendre à quoi, en fait? Je sais pas trop. Mais ils vont être nombreux, et ils auront des machines. Et si on les laisse passer, il n'y a pas que Méridian qui tombera. C'est le monde entier qui disparaîtra. Ah. Ouais. C'est le genre de combat qu'on aime. Hein, les gars? Et l'avant-garde, elle est où? En première ligne! Et pourquoi? L'acier, nous devons le faire! Et qu'est-ce qu'on va faire? On va les cogner jusqu'à ce qu'ils ne se relèvent plus! Et ouais! T'as vu ça? Personne ne franchira l'avant-garde. On est là pour Méridian. Et aussi pour toi. Merci, Erend. Ersa serait fier. Seulement si on gagne. Tu es la chasseuse du bois des Banouk? Je me souviens aussi de toi, Nora. Les machines sont sorties de leur sommeil quand t'es arrivée. Totalement enragée. J'y étais pour rien. Non. Je te remercie, Nora. Cette nuit-là, j'ai décidé que je ne retournerai pas à Banour. Et que désormais, je viendrai chasser sur ces terres. Toutes ces machines, même des démons, agiles et silencieux, sans leur lumière bleue. Des morts à abattre à nouveau. Notre ennemi en a toute une armée. Une armée? Oui,
Je suis là pour ça. Bien. J'attendrai. On a tous notre place dans l'ordre des choses. C'est un honneur de servir le Roi Soleil. Mais par l'acier, je regrette de tout le de l'armée. Passe ton chemin. Il n'a rien à faire ici. Sa tentative d'assassinat a peut-être échoué, mais ça ne leur fait pas bon. C'est-à-dire ? Plus imposante, plus machine de guerre que gazelle. Mais je te rassure, t'as de belles proportions. On fait du charme sur le champ de bataille chez les Océram ? Quel champ de bataille ? Les combats ont pas encore commencé. Petra la Forgeron, je viens des Hauts Blocs. J'y retourne à la prochaine tempête de sable. Marad m'a demandé de vérifier l'arsenal de la ville. Les canons sont en bon état, mais je les ai quand même nettoyés pour qu'ils tirent à fond. Je peux essayer ? Tout le monde me demande. Fais-toi plaisir. Pas besoin de viser précisément. C'est pas comme un arc. C'est bonne. Au suivant.